un deuxième swap de Noël. Donc là vous devez vous dire mais qu'est-ce qui se passe, elle en fait pas pendant un an et là il y en a deux d'un coup en une semaine. Donc oui, sauf qu'Alexia on en a parlé depuis, elle m'avait proposé de faire un swap depuis Noël dernier en fait. Et du coup bah ça s'est fait à Noël parce que toutes les deux on est complètement fans de la période de Noël. Ça devient un peu une petite tradition de Noël, le swap de Noël. Donc là il y en a deux, donc quoi de mieux, je suis tellement heureuse et j'espère que vous ça vous fait plaisir aussi. Donc Alexia de la chaîne GirlyAlex83 bien sûr, je vous mettrai sa chaîne ici ainsi qu'en barre d'infos, ainsi que la vidéo de mon swap également. Alors avec Alexia on s'est imposé 10 cadeaux avec un budget limité. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire et du coup on va commencer parce que j'ai la boîte devant les yeux. Donc il y a une toute petite carte ici, enfin une petite carte, une belle carte que je vous lirai juste après pour vous montrer un petit peu la boîte qui est absolument magnifique. Donc c'est une belle boîte rouge de Noël avec un beau nœud argenté, j'adore, je trouve que c'est sublime. Et ça me donne bien bien envie d'ouvrir, donc il y a une grosse boîte et j'ai également 3 cadeaux juste ici qui ne rentraient pas dedans. Donc Alexia t'es complètement folle n'est-ce pas? Donc joyeux Noël Marie, des gros bisous GirlyAlex83. Super dans la petite enveloppe. Oh elle est trop chou la petite carte. Donc elle m'a écrit un grand mot. Et... ah non il y a le menu qui est juste ici. Il y a un petit mot là et le menu ici. Donc j'espère que je peux lire le petit mot. Il n'y a rien de marqué donc je vais le lire. Coucou ma chérie, enfin le jour J est arrivé. Je suis tellement contente de faire ce swap avec toi. Comme tu le sais, tu es un de mes coups de cœur sur YouTube. Et j'espère que ce swap nous soudera encore plus. Car je te porte énormément dans mon cœur. T'es trop adorable ma chérie, franchement. J'aime ta douceur, ta simplicité, ta joie de vivre et ta couleur de cheveux. Tu me fais trop rire, oui je sais que t'aimerais bien voir les cheveux blonds et j'aimerais beaucoup te voir comme ça aussi. J'ai pris plaisir à te faire ces 10 cadeaux et j'espère tellement que tout te plaira. J'ai tellement hâte de voir ta petite bouille en train de déballer tous ces cadeaux. En attendant de te laisser avec le menu, je te souhaite un joyeux Noël en compagnie de toute ta famille et que tous tes vœux... alors il y a un petit truc en dessous donc je le baisse. Et que tous tes vœux se réalisent. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort, GirlyAlex83. Alors franchement, merci de tout mon cœur pour ce petit mot, juste adorable. Moi, tu sais tout ce que je pense de toi, je t'aime de tout mon cœur également. Donc je comptais te dire toutes ces choses-là un petit peu en privé. Moi, je t'ai mis un petit mot plus simple parce que j'avais envie de te dire plein de choses en privé. Mais ça me touche vraiment énormément, tu es adorable. Moi aussi, t'es un de mes coups de cœur, je te suis depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup et ça me fait tellement plaisir de partager un swap avec toi, ma chérie. Je t'aime de tout mon cœur et toutes les deux, on est complètement folle de Noël donc quoi de mieux de le faire ensemble et puis on a un petit peu les mêmes goûts donc voilà. Et moi aussi j'espère vraiment que mon swap te plaira parce que t'as l'air d'avoir mis le level très très haut donc voilà, j'espère que ça te plaira et on va commencer parce que le menu est là et je meurs d'envie de lire la première phrase. Je me dis tout à l'heure non 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 attends attends mais j'ai trop envie donc on va commencer. Numéro 1, pour sublimer ton visage de poupée, indice ta marque préférée. Alors ma marque préférée c'est Too Faced comme vous le savez, il va falloir que je trouve le numéro 1 du coup. Alors voici l'intérieur de la boîte avec un packaging super joli, blanc et rose gold comme ça. On se ressemble aussi beaucoup parce que je t'ai mis un papier cadeau rose gold parce que je sais que ça te représente beaucoup. J'ai mis où le 1? Ah il est là. Du coup de cette taille là, je dirais peut-être un blush, quelque chose comme ça et du coup de la marque Too Faced. Waouh! Alors magnifique, c'est un duo enlumineur poudre Candlelight Glow. Alors je me demande comment c'est, est-ce que j'ai déjà vu ce produit là? Non mais c'est dingue. Je suis même pas sûre de connaître, je suis sûre que quand je vais voir le packaging je vais connaître, mais alors là... Puis elle sait que j'adore les highlighters donc... Ah si! Oh ah oui je connais ce packaging là, juste magnifique. Waouh, waouh, waouh. Il est juste magnifique, le packaging il a tombé par terre. Donc moi c'est la teinte Warm Glow d'après ce que je vois. Et les teintes sont magnifiques, il y en a une un petit peu plus rosée et une un petit peu plus nacrée. Donc je vous ferai des close-ups bien évidemment. Absolument sublime, je suis trop contente, tu commences super fort et je m'attendais pas du tout du tout à avoir un produit comme ça donc merci beaucoup. Numéro 2, gourmandise, en veux-tu, en voilà. Alors numéro 2, 6, 10, alors c'est un énorme paquet, regardez-moi ce paquet, il est juste trop trop beau. Gourmandise, en veux-tu, en voilà. Aucune idée de ce que ça peut être, j'imagine des gâteaux, des bonbons, des choses comme ça. Waouh, alors c'est un petit pack de plusieurs petites choses. Donc il y a des Haribo, Haribo c'est beau la vie, qui piquent. Ah oh, j'adore les trucs qui piquent et mon chéri aussi. Ça c'est super génial. Ensuite on a, oh c'est trop mignon. On a des candy canes avec 3 parfums. C'est trop trop chou, alors là je suis trop contente. Il y a pommes, framboises et fraises, donc que des odeurs que j'adore. Donc c'est génial, j'adore ce petit kit. Alors là faudra que tu me dises où est-ce que tu l'as eu, je suis trop étonnée de voir un petit kit comme ça. C'est trop chouette, merci beaucoup. Ça, je vais me faire un beau décor de Noël juste ici. Et il y a également des petits chocolats fourrés ou pralinés. Donc il y en a des blancs, des sapins, des Pères Noël, des petits trucs. C'est trop trop mignon. Franchement, j'adore.
Les petites gourmandises au top, tu me connais super bien. Tu sais que moi... Ah non, il y en a encore, qu'est-ce que je raconte. Tu sais que moi et les gourmandises, ça ne fait qu'un, et toi aussi d'ailleurs. Hein. Et des petits Papa Noël en chocolat, donc ça... Après la vidéo, je vais m'engloutir ça devant le montage de la vidéo et c'est vraiment trop bien. Numéro 3, pour compléter ta collection, indice ton produit de maquillage préféré. Donc mon produit de maquillage préféré, c'est un rouge à lèvres, donc je pense que ça doit être un rouge à lèvres. Alors là, quand il s'agit de rouge à lèvres, vous me perdez complètement. Trop bien, donc c'est un rouge à lèvres Huda Beauty, donc c'est le Medusa et je le voulais en plus le Medusa. Alors il est sublime, waouh, c'est un mauve un petit peu clair. Et mon produit de maquillage préféré, tu as tapé dans le mille. Je suis trop contente, je pensais absolument pas avoir un autre produit Huda Beauty parce que j'ai déjà la chance d'en avoir deux. Donc trop bien, merci beaucoup ma chérie, je suis aux anges. Ensuite, numéro 4, je crois qu'il faisait partie de ta wishlist, j'espère que la couleur te plaira. 4. Alors sur ma wishlist, j'ai tellement de choses sur ma wishlist, vous pouvez pas imaginer à quel point... De la forme comme ça, on dirait un peu encore un kit de rouge à lèvres. C'est un Kylie Lip Kit en teinte Dolska et vous savez quoi? Je lui ai pris exactement le même. C'est juste un truc de fou quoi, on s'est pris le même. Donc évidemment, hein, je l'adore vu que je te l'ai pris également. Donc j'espère que ça te fera plaisir. Ah ouais. Ah ouais, celui-là, je le voulais absolument. Tout le monde le porte, celui-ci c'est un des incontournables, je trouve, de la marque. Je l'aime trop. Je suis trop contente. Alors vous voyez, comme quoi c'est juste un truc de fou, on se connaît bien parce qu'on s'est pris les mêmes choses quoi. Je suis super contente, donc ça a agrandi encore ma collection de rouge à lèvres et encore ma collection des Kylie Lip Kit. Et c'est ma marque préférée en termes de rouge à lèvres, donc je suis aux anges et ça me fait déjà deux rouges à lèvres, je suis trop contente. Numéro 5, pour t'accompagner dans ton sapin et dans ta maison en cette période de fête, sans oublier Heidi. Tiens donc, on parle de mon petit bébé qui est juste là, qui me regarde quand il a entendu son nom. Donc numéro 5, qu'est-ce que ça peut être? J'entends des grelots. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des grelots, alors je sais pas du tout c'est quoi. Oh là là, il y a plein de trucs là-dedans. Ah oui d'accord, donc c'est pour ça que tu as dit Heidi. Il y a un petit chien avec une grelotte. En fait c'est un petit collier. Oh c'est trop mignon. Doudou c'est pour toi. Il regarde avec des yeux et des oreilles, je vous raconte même pas. Je crois que ça l'intéresse déjà. Je crois qu'il y a plein de décorations pour la fête, bon, c'est ce que tu m'as dit. Oh c'est trop joli. Alors là j'adore, c'est une déco de Noël trop mignonne pour plein de trucs. On peut mettre vraiment des colliers, des clés, plein de choses. C'est trop mignon, j'aime énormément. Je vais vous faire un petit bazar hein, juste ici, je suis désolée. Ensuite, oh c'est trop beau. Alors on a une suspension décorative comme ceci. Donc super sympa pour les fêtes, j'ai hâte d'emménager dans mon nouvel appartement. Pour montrer toutes ces décollages, je te les montrerai Alexia dans la maison. C'est trop joli, franchement j'adore. Ensuite on a un petit renne doré et vous savez quoi, je lui en ai pris un également. Donc c'est pas quelque chose à suspendre dans le sapin, mais c'est une petite déco que je lui ai pris également. Et du coup il y a plein de petites boules et un petit renne pour mettre dans le sapin. Donc c'est super sympa pour le thème de Noël, tu as tapé dans le mille encore une fois. Je suis trop contente, j'ai hâte d'emménager dans mon nouvel appartement maintenant pour mettre toutes ces décos-là parce que là je vais devoir tout remballer, je suis trop triste. Numéro 6, édition limitée de Noël, je le veux tellement. Numéro 6. Qu'est-ce que ça peut être? Je vous montre le packaging, c'est super joli. Super sympa la petite pochette. Mais je vois vraiment pas que ça... Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée et si c'est ça... C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh non, mais alors là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que vous savez quoi? Je lui ai pris exactement la même chose. Et quand je lui ai pris, je me suis dit également que je voulais l'avoir. Ah non, mais là, c'est un truc de fou par contre. Oh bah, ma chérie, tu lui as marqué dans ton petit mot que tu le veux tellement, bah, tu l'auras également. Donc, je fais pas de surprise vu que tu auras déjà vu la vidéo. Enfin, tu l'auras déjà ouvert avant la vidéo. Bref, vous avez compris. Alors, ça, je le voulais tellement. Mais en plus, elle était même pas au courant. Moi non plus, j'étais pas au courant qu'elle le voulait. Waouh! Wow. Donc en fait, c'est un petit coffret de chez Too Faced. Je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est le Grand Hôtel Café de chez Too Faced que je vous avais mis dans ma wishlist. Mais normalement, je l'avais fait bien avant cette vidéo. Du coup, elle savait pas du tout que je voulais ça. Avec des petites palettes à l'intérieur. Celle-là, elle est particulièrement magnifique, quoi. Je me vois faire plein de maquillage avec celle-ci. Je vais regarder les autres parce que ça me donne trop envie. Franchement, elles sont toutes magnifiques. Je me vois faire des maquillages avec toutes. Waouh, alors celle-là, elle est juste sublimissime.
Je suis trop trop contente. Alors franchement Alexia, tu as assuré. Et je suis bien contente parce que tu as mis que tu le voulais et je te l'ai offert. Donc je suis trop contente également, on a assuré toutes les deux comme quoi.